Hello YouTube! Et voilà, je te reprends comme promis dans la dernière vidéo. La veille du match contre Charleroi, nous avons donc passé les 2 semaines de vacances qui n'auraient, je pense, pas apporté grand chose. Nous allons regarder ça après. Donc voilà. Conférence de presse, hop. Je les trouve bof, moi, les conférences de presse dans FM, il n'y a rien à faire, j'arrive pas. Green rend hommage à Silva, oui. Alors, donc, nous disions, Chimérou, non, ça c'est moi. Je vais regarder déjà la tactique, parce qu'il y a des joueurs certainement qui sont revenus. Van Combrugge, c'est encore un... À très bientôt. Ouais, mais c'est encore un peu trop tôt. Murillo peut jouer. Vertonghen, je pense qu'il a joué avec les Diables Rouges, donc lui, je vais devoir le changer. Parce qu'il est fatigué, je vais mettre Delcroix. Hop. De Bast, Murillo, Delcroix, lui. Ben finalement, lui, rien à dire. Rien à dire. C'est vraiment dommage pour sa déter. Après, la déter est en train de monter, mais il est qu'à 2. Il ne deviendra jamais. Voilà. Je l'entraîne en quoi, lui? En défenseur gauche, ouais, mais... Tactique, love, soutien. Ça devrait être fait, ça, hein. Voilà. Et on va l'entraîner en centre ou en vitesse. Il a quel âge, lui? Il a 20 ans. Ah, il a déjà 14 en vitesse, donc bon, je vais l'entraîner en centre. Va l'entraîner en centre. Voilà, c'est parfait. Ça, j'aurais déjà dû le faire depuis longtemps. Nous sommes bien d'accord. Donc, je disais, Diawara, Farravalli, c'est Oketier, Mewald, Trefaelov, Duranville. Angulo, Van Oostruiken, c'est là. Verskaren, il est là. De blessure récurrente, ouais. Donc lui, je vais le mettre moins affûté. Oh là là. Bouger Stassin, mettre Verskaren, non, voilà. Vu qu'il revient de blessure, Kana. Hop. Kana, hop. J'ai quand même beaucoup de joueurs, mais encore bien que j'avais autant de joueurs. Il y a des joueurs qui sont en prêt, mais qui sont jamais partis en prêt, malheureusement. Personne veut de Struyckens en prêt. Je veux juste qu'il soit titulaire régulier, moi. Le reste, je m'en fous. Eladj, même chose. Est-ce qu'il y aurait moyen de transfert? Proposé au club en prêt. Je veux juste qu'il soit titulaire régulier. Proposé au club, oui. Donc il y a Yann Vertonghen qui est fatigué. Il y a David Hubert que je ne veux plus voir chez moi. Il y a Van Combrugge qui est pas encore de retour. Benito Raman que je veux plus voir chez moi. Il n'est pas sur la liste. Ça me gave. Il me semblait que je l'avais fait. Comme ça, il y est. Parfait. Sardella est sur la liste mais ne part pas. Eladj, j'aimerais qu'il soit prêté. Struyckens, qu'il soit prêté. Van Hout, il est mauvais. Stassin, bah lui, c'est un... C'est jusque-là, voilà. Et Angulo. Ok, bah on va partir comme ça, du coup. Murillo, De Bast, De Grandier, Diawara, Farfalle, Mewald, Raphaëlov, Duranville, Fabio Silva. Ok. Ah ben nous allons partir comme ça. Aucune offre pour deux joueurs. C'est bizarre. Franchement, c'est vraiment bizarre. Pour des joueurs comme ça, qui ont quand même une petite, enfin une bonne qualité et qui sont jeunes. Parfait. Ça, c'est un responsable des kinés que nous avons
fait signer pour les RSR Futures. C'est quoi ça? Europe. $700K. Il y a un A moins et un A. Il y a Angelo Preciado qui joue à Genk. Il est observé par le club de Bruges et il est listé à 725. Latéral offensif de soutien. Anticipation, concentration, placement, marquage. Ouais. Ouais. Il est pas mauvais, hein, il a 24 ans. 28 ans, mais là ça risque d'être cher. Aïssa Laïdouni, Ferencváros. Tu as 25 ans, tu es milieu. Ouais, mais j'ai déjà quelqu'un comme ça, à cet endroit-là. Matt Lawton. Ouais, mais t'as 33 ans, ça m'intéresse pas. Ben, Preciado, le problème, c'est que... Le problème de Preciado, c'est que c'est pas vraiment un step-up et j'ai déjà Murillo, quoi. Et Murillo le bouffe en plus. Mais bien. Bien. Bah, il serait certainement meilleur que Sadiki, j'espère pour lui, parce que vraiment, on a un problème. Je vais regarder... Sadiki dans les S, du coup... Ben, juste en vitesse, en fait. Hein. Non, ben, Preciado, reste bien chez toi. Hein. Bon, Charleroi et puis Malines. Oui, je sais qu'on perd beaucoup d'argent. Je le sais. Faudrait quelqu'un qui vienne m'en mettre. Nous sommes Anderlecht, nous aurions le droit que quelqu'un se dise tiens, peut-être pas laisser tomber ce club qui est quand même qui a été en tout cas un grand club en Belgique. Les supporters sont dans l'ensemble très contents de notre travail. Alors, il va falloir qu'on m'explique comment il y a B alors que partout il y a C. Hein. Je ne sais pas comment ils comptent. Nous allons partir comme ça. Alors... C'est donc parti face à Charleroi chez nous. Je suis en offensif. Nous verrons ce que ça donne. Pour le même prix, c'est déjà un but. Newald. Allez, bien Murillo, bien battu ça. Bien battu. Le bon touche, c'est dire que ça. Il y a trop d'espace entre notre défense et notre milieu. Il me dit ça depuis le début de la saison. Mais Wald, attention, hein.
Les file of même chose. Je vais changer pour Verscaren ici. Histoire qu'il joue un petit peu. Et je vais mettre Ramuzu ici. C'est peut-être un petit peu tôt. On verra. Tac. Tac. On a besoin de quelque chose. De neuf. J'ai l'impression. Ouh là là, ça doit être but ça. Ça aurait dû être but. Murillo. Oh joli. Murillo. Allez, hop, Diawara. Enfin. Et enfin. Ouh, ouh là là. Si on marque pas, on va s'en vouloir. Je préviens. Boum. Oh, ce but. Ah non, y a pas hors-jeu. Il reste hors-jeu de où? Hein, semblait bien. Donc ben voilà, 1-0. Il était temps. Alors, Diawara. Il y a une Diawara qui est fatiguée, mais... Pff. Murillo, je vais mettre Sadiki. En fait, j'aurais voulu mettre Kana ici. À la place de Diawara, mais le problème c'est NDI qui est fatigué. Et le seul moyen c'est de faire ça. De faire ça. Non, mais je vais faire ça. Ah oui. Bah, qu'est-ce que j'ai foutu? Delcroix peut pas être défenseur gauche? Bon bah annulé hein. Bon bah tant pis hein. Sadiki, j'ai dit Diawara. Je vais faire rentrer Kana. Il me reste Hashimeru, Esposito. Entre Esposito. 1, 2, 3, 4, 5. On fait revenir un petit peu les joueurs qui ont été blessés et qui ont besoin de temps de jeu. Ça va leur faire du bien et ça va leur faire plaisir. Bon, on fait pas de dinguerie. Enfin, 19 tirs, quoi. On gagne que 1-0 alors qu'on a dominé le match des pieds et de la tête. C'est... Enfin, je m'en fous, ça fait 3 points, hein, mais... dire ça. Duranville fait pas un mauvais match. Duranville ne fait pas du tout un mauvais match. Bruce, c'est chaud pour eux, qu'est-ce qui se passe? Ah ben ouais. C'est peut-être ça. Ils sont en Ligue des Champions. Ça doit jouer à mon avis. Ah, ça pique, hein. Ils ont fait un contre Chelsea, ça va. Après 3-0 contre... Ils n'ont fait que deux matchs. 3-0 contre le Real. Content, je vais le féliciter. Tiens, je me... Notre ami Eden Hazard. Il n'est plus qu'à 13 millions.
Après, à mon avis, son salaire, mais je vais l'observer en fait. Il est encore blessé. 2 à 4 semaines. Il est sur la liste à 12 et demi. Alors, on est d'accord, ça passera jamais, hein, mais rêvons, rêvons. Rêvons. C'est vraiment dommage, hein, ce qui se passe avec Eden Hazard, franchement. Le mec, il était au-dessus de tout quand il était à Chelsea, il était. Et qu'est-ce qui s'est passé au Real? On ne saura jamais. J'ai pas envie d'attaquer le Real en disant comme par hasard, il arrive au Real, il se blesse, machin. Non, ça pourrait très bien être un coup du sort. Il n'y a rien à faire, hein. C'est tout à fait possible. Je ne sais pas, est-ce que c'est la blessure que Thomas Meunier lui a fait il y a quelques années qui. Je ne sais pas. 18 ans, c'est dommage que tu es cher. Toi, de toute façon, je peux pas regarder, j'ai plus d'argent. Tout ça pour dire que c'est vraiment dommage. Parce qu'il y a des Nazars quand même, Coupe du Monde 2018, c'était quelque chose. Et puis Bardaf, c'est l'embardé. Bon, enfin. Alors, une petite sauvegarde. Donc là, nous allons jouer Malines. Et puis le club de Bruges. Attention au club de Bruges. Très, très, très attention au club de Bruges. Europe, 16 recommandations. Allez, arrête avec ça. C'est bizarre qu'ils mettent Angel Preciado en A. À ce point-là. Alors que même mon jeune est limite meilleur que lui. Montpellier, Binguru Camara. C'est un gardien de but. Bon, il a ce qu'il faut où il faut. Meilleur dans le jeu aérien, il est plus physique, il a moins d'excentricité. Même chose en communication, il est un peu moins fort mentalement, il a moins de vitesse. Je sais pas. Mats Hansen, 20 ans. Nordsjælland. C'est un. Ouf, ouais. Donc là, il est ailier droit, ailier intérieur droit. Donc je suppose qu'il est gaucher. Parfait. Là, il serait plutôt milieu axial. Ouais. Milieu axial, faut le dire vite, hein. Ouais, j'allais le dire. Ce serait plutôt un mezzala alors. Mais de toute façon, c'est mort. Welton Paraguay, 25 ans. Brésilien. Il est assez fort. Bah, il a les deux pieds en fait. Donc en gros, ailier intérieur, attaquant intérieur. Il a une bonne déter, mais il a déjà 25 ans. Là par contre, il est très bon, mais là, le sang-froid, volume de jeu. Mentalement, il est pas ouf, hein. Mentalement, il est pas ouf. À suivre peut-être. Parfait ça. Donc Hachimirou parle français ou le néerlandais, je sais pas.
Maline approche. Maline approche. Gros potentiel. Il a 16 ans. Et une grosse déter. Ouais, si tu veux. Alors, tout ça, en revanche, tu m'oublies, hein. Voilà. Bah, il est. Bon, il est dispo au prêt en même temps, hein. Quand tu auras signé ton contrat, je regarderai si tu veux que je t'envoie en prêt. Why not? Jeune 15-18. Ah oui, lui, il a dit je vais chercher en Argentine. Il a dit pff, voilà. Ouais, je sais bien, il y a lui, mais. Lui, je l'aurais jamais de la vie, quoi. Bien que ce soit pour le futur, quel que soit le prix. Il me fait rire, quel que soit le prix. Là. Défensif. Ah, il est bon, hein. Il est bon. Il est vraiment très bon. Mais je n'ai ni l'argent, ni la place, ni quoi que ce soit pour le moment, malheureusement. Et bouge. À la base, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais aller voir ce que Bruges avait fait. Ils ont fait 1-1 contre Benfica. Si je vois bien ici. Alors. Christopher Olsson. C'est un mec de chez moi que j'ai prêté. Avec une option d'achat. Ce mec-là? Vous êtes sérieux? Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Tu vends pas ce type-là et tu le vends certainement pas 4 millions. Enfin bon, ouais, on va faire ça. Ah, moi ça m'énerve ça. Et si IRL, ils ont sûrement fait ça. Hein. Bon après IRL, il est pas dans cette forme-là. Hein. Enfin, il est pas aussi bon. Hein. Raman vs Karanamuzu, c'est mort, hein, je vous le dis. C'est mort, c'est mort. Alors, tactique. Ça dit quoi? Prêt à jouer, 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 prêt à jouer. Je me suis un peu emballé en me disant prêt à jouer. Alors. Je voulais faire quoi? Oui,
y a Vertonghen qui est lui aussi prêt à jouer. NDI, c'est bon? Ouais, bah Delcroix, désolé, je t'aime beaucoup. Mais voilà, il y a désolé! Parfait, parfait, parfait. Il va falloir que je regarde à de le faire jouer lui et de faire jouer quelqu'un d'autre à sa place. Je vais mettre Vorskaren. Mais voilà, ouais, Duranville, Vorskaren. Voilà, parfait. Angulo Stassin, Struiken, Celad, Esposito. Je peux même pas mettre un terme au prêt. Je vais faire un truc comme ça. Je vais faire un truc comme ça. Bon, mais je vais pas faire un truc comme ça. Vu qu'ils m'ont blessé, Diawara. On va faire jouer Kana. Bouger ça. Lui, pas ça. Petit peu de politesse. Nous allons mettre Hubert. Hein. Voilà. Bon, j'aurais peut-être fait jouer parce que machin, machin, à la base, mais vu les blessures, tout ça, depuis quelque temps. Je me dis que ce n'est peut-être pas une très bonne idée. Une suggestion, Stroikens. Hop là. Allez, faut gagner contre Malines. Continuons. Continuons notre marche en avant. Et gagnons. Vorskaren, je vais mal le prendre si à chaque fois que je te parle, t'en as rien à caler de ce que je te dis, je vais vraiment mal le prendre. Bon. IRL, je vous dirais de faire un peu attention au KV Malines. Mais nous ne sommes pas IRL. Et surtout, l'entraîneur, c'est moi. Alors faites gaffe. Je vous le préviens. Voilà, merci. Fabio Silva, 14e but de la saison. Merci, bonsoir. Ça rentre chez... Hop! Rentrez chez vous, le Malinois. Bon, ne faisons pas trop le malin. Ne faisons pas trop le malin. De Bast, tu vas te calmer de suite. Allez, Mewald. Mewald. Mewald, attention, hein. Parce qu'il y a un Mouzou qui pousse derrière, hein. Duranville. Ouf. Je sais pas pourquoi, comme ça, j'ai cru que c'était un peu une... Mais non, ça allait. Kana. Doucement, voilà. C'est bien. Duranville vs Caron, Mewald. Et but de Mewald. Non, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Il y a hors-jeu. Ah, oh, ça m'énerve. Ça aussi, il y en a beaucoup, je trouve. Ça aussi, je trouve qu'ils ont... Enfin, quoi que... Ouais. Non, parce que j'ai quand même eu 2, 3, Kana. Ouf, dommage cette passe. Hop. Duranville. Ah. C'est bien tenté, c'est bien tenté. De Bast. Duranville, oulala. C'est dommage ça. C'est vraiment dommage. J'ai l'impression que Duranville, il monte en... Ouais. J'aime beaucoup ce que je vois. À parler de la possession du ballon, ils aiment ça. Joueur Duranville, prouve que tu as ce qu'il faut pour faire la différence, mon grand. Prouve-nous.
Non. Merci Verbrugge. Faravelli. Ouf, joli. Joli, joli. Le Wald. Non. Attention, on revient. Allez, hop, 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 on court. Après, il est tout seul. C'est bon, ça. C'est très bien. Une bonne faute bien professionnelle de Verskaren. C'est comme ça qu'on fait. Une fois, encore 0-1. Hein. On a du mal à scorer plus d'une fois. Hein. Là, Faravelli, Duranville. Ah, c'est pas Duranville. Il y a combien en passe? Attends. Il y a combien en passe, Duranville? Il y a 12 en passe. Duranville. Pas très moins de risque dans les passes. Ok. Faravelli, lui, il a 15 en passe. Lui, en revanche, je vais lui demander de prendre plus de risques. Allez, hein. 57e, il faudrait un petit deuxième là quand même. Verskaren, Mewald, c'est pas top top tout ça. Hein. Je vais changer. Ah bah voilà, la preuve. Hop. C'est parfait, c'est ce que je voulais faire. Ndiaye Sadiki. Ah ouais. Oh bah oui. Fabio Silva. Duranville, Fabio Silva. Ouh, Amouzou. Murillo, Cana, Cana. Ah. Pas osé enchaîner le cana. C'est dommage. Bien. Plus discipliné. Et alors, on va changer. On va mettre RL ici. Je vais mettre Stassin ici et Esposito ici. Là, on a bien compris que tu serais attaquant de pressing attaque. Ne t'inquiète pas. Et on confirme. Tout le match est fini. Hein. Ça me gave, j'aurais bien voulu un 0-2 moi. Duranville! Oh les Duranville, tu dois la mettre ça. 7-3, il a une jolie note en plus. C'est dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. Ah. Mon petit crack là. Petit craquito. Vestiaire. Ouais, on va dire ça. Mais en fait, c'est même pas. En fait, c'est là que c'est faussé, en fait, parce que ils ont été très bons. C'est juste qu'ils marquent pas, en fait. Mais ils ont été top. Faudrait que j'arrête de dire en fait aussi. Et le standard, t'as pas envie de perdre à un moment donné? Bruges a gagné. Ouais, Bruges, va falloir faire gaffe. Hein. Il y a Bruges là, hein. Juste là. Hein. Ouais, 11 matchs en défaite, mais. Mike Trésor, ouais, Mike Trésor. Même IRL, il est ouf. Ouais, je me doute qu'il a aucun intérêt. Ça, je le sais qu'il a aucun intérêt. Mais je le mets dans ma liste. On sait jamais. Un jour. Oh, j'observe, moi, le plus possible.
Bon, désolé encore une fois, mais ça a l'air probablement que ça va. Je sais pas pourquoi elle a eu ça. Allez, c'est reparti. Bon, face au club de Bruges. Non, c'est pas ça que je voulais regarder, moi. Il faudrait que je regarde aussi un petit peu les RSA Futures. Note moyenne. Simon Michet. Il a 20 ans. Ouais, mais c'est beaucoup trop juste, ça. Après, il est bon, hein. Il est très très bon, 6 apparitions, un but. En plus, c'est pas ouf. Il est vraiment pas mauvais, hein. Mais pour un gars de 20 ans, il a pas d'anticipation, il a pas d'appel de balle, il a pas de passe, il a pas de centre. Désolé, mais il a 20 ans, quoi. Il aurait 17 ans, je dis ok, tiers, mais. Enoch Aguiey. Lui, c'est sa déterre qui m'embête. Faible pied droit, très fort du gauche. Donc il serait attaquant intérieur ici. Mais il n'y a pas de finition. Bah, tir de loin et finition, équilibre. Il a que 17 ans, hein, attention. S'il est... Ou alors ailier, mais il n'a pas de centre, donc... Finition, tir de loin. Loïc Macho. Ouais. Terre de 11, puissance, un beau tacle. Lui, il est pas mauvais, lui. Il fait 1m84. Il pourrait même être défenseur central. Pas mauvais, lui. Il est vraiment pas mauvais, lui. Il y a Luca Moticelli, 17 ans. Qui est un buteur, qui serait attaquant retrait. Il est bon, lui. Il est pas mauvais du tout, lui. Il a une déterre, en plus. Je vais le faire travailler juste en buteur, lui, pour le moment. Lucas Lissens, lui, IRL, il me semble qu'il est en A. Ah, c'est ça, le problème. Hein. La décision... Et la vitesse surtout. C'est dommage. C'est dommage. Là, ça va être chaud. Hein. Bruges, Zult et puis Standard. Ça va être chaud. J'arrive dans 2 minutes.
Re les amis. Bon, un jour je me mettrai peut-être au montage, mais avec ma vie de famille, tout ça, tout n'est pas toujours permis. Ok. Alors. Le club de Bruges à domicile. Comment je vais jouer ça? Est-ce que je laisse genre Duranville, tout ça, machin, ou est-ce que... Myriad de Bad Vertonghen, ça, de toute façon, voilà. La défense, à mon avis, ça bougera pas. Kana, ça risque de bouger avec Diawara qui va être remis. Faravelli, Mewald, Verskaren, Duranville, Fabio Silva. C'est Duranville, je sais pas. Amouzou, il est blessé. Est-ce que je remets Van Kombrug? Oh, je voudrais pas être embêtant. Mais jusqu'à maintenant, Verbrugge est meilleur. Il a fait combien de matchs? Il a fait 4 matchs, 7,47. C'est un peu le problème. Et il a une meilleure note à l'entraînement aussi. Je vais assumer. Et je mets Verbrugge pour le moment. Je vais assumer, tant pis. Après, De Kruijne n'est pas... Ah, lui, c'est dommage, hein. Ça, c'est important, hein, de mettre rééducation générale quand ils reviennent. C'est très, très important. Qu'ils reviennent d'une longue blessure comme ça, c'est très important. Angulo. Un autre truc. C'est là, tu sortais là. Cana. En fait, ce qui m'embête en Belgique, c'est que dans beaucoup d'autres pays, vu que maintenant on a 5 remplaçants, ils ont augmenté la taille du banc. Pas en Belgique. Et ça m'embête grandement parce qu'il y a plein de joueurs que j'aimerais mettre sur. Parce qu'il peut se passer plein de trucs dans un match. Et je trouve que ça, c'est pas assez. C'est déjà pour ça que je mets pas le gardien. Bon, Chimérou, Amouzou, bientôt, ça veut dire quoi? 3 jours. Durée de convalescence, 3 jours. Ça risque d'être tôt, non? Trois jours. Bruges est dans 3 jours, ça va être trop tôt, donc je vais bouger Amouzou de là pour le moment et je vais mettre Kana. Voilà, je pense que je vais partir comme ça, tant pis, je vais assumer, je vais peut-être juste pas mettre offensif. Je pense que je vais me mettre en positif face à Bruges quand même. Peut-être pas déconner. Même qu'on est à domicile, c'est quand même Bruges. Ludovic Wola, Wetchey. Nul. Et Jeff Leux. Nul. Nul sur 20.
Je regarde pas, ça me fait trop mal. Ça me fait beaucoup trop mal. Oui, sans laver l'autre jour. Formation, le page. Le niveau de Christophe Herelle. Ah bah ouais, bah en même temps. Je veux pas être méchant, mais Christophe Herelle, il est nul. Bon, après, c'est peut-être de ma faute, hein. Je le fais pas jouer non plus. N'oublions pas que je ne le fais pas jouer et que ça doit peut-être jouer. Beaucoup de voix jouées, ça. Ah, la loose! Bon, bah, désolé. Complètement désolé, mais là, du coup, j'ai plus le choix. Van Combrugge va jouer. Est-ce pour un mieux, pour un pas mieux? J'en sais rien, mais il va jouer. Voilà. Très bien de bas. Nul et victoire, bah ouais. Je tête 11. Centrer la balle dans la surface en y mettant de la vitesse et de l'effet afin de rendre. Bon, ben on va valider ça et on va partir comme ça. Bon. Ça a pas l'air foufou. Alors, Lang, Dudgla, Nielsen, Van Aken, Sobol, Balanta, c'est bon ça. Hein? Je suis pas persuadé pour leur tactique en revanche. Oui, après, si je me prends une rouge, voilà quoi. J'en ai marre. Vertonghen, tu me fais chier pour le coup. Mais il me met dans la sauce, il me met dans la sauce, j'en ai marre. Très bien. On va prendre la sauce. Ouais, je le savais, on va prendre la sauce. C'est vraiment dommage, hein.
Zéro action? Eh mais non, mais sérieux! Moi je veux bien, mais... Pourquoi il met premier but de sa carrière alors qu'il était mis deuxième but? Bah, clairement, le match nul, je le prends. J'ai tenté un truc, on verra. Hein. Eh mais Van Combrugge vraiment. Bon, j'aime pas m'énerver comme ça, mais là, ça faisait trop en peu de temps. En plus, face à Bruges, ça m'embêtait beaucoup. Mais bon, c'est la loi de la loi des FM. Pourquoi? Attends, hop, 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 hop. Encore un blessé. Mais sérieux, FM. Vraiment, va falloir regarder à faire quelque chose. Hein. C'est pas possible. Hein. Moi, je veux bien, mais à un moment donné, c'est vraiment pas possible, quoi. Oui, en revanche, vous allez vous calmer, vous, parce que j'ai pas franchement envie de me retrouver. Engagez-vous moins. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est gagner du temps. Être plus discipliné. Mewald est pas top. Mais je n'ai personne pour le moment. Ils ont 18 tirs, Bruges. Ouais, je suis vraiment pas le seul, un hein, garçon à 20 tirs. 20... Bah, il n'y a pas à dire, hein, il mérite la victoire, clairement. Hein. Je veux dire, ce serait pas volé qui gagne, mais... Non, allez, sérieux, jouez simple. Jouez simple, là, c'est but. Ah, ouais. Il y a hors-jeu, je crois. Je pense qu'il y a hors-jeu. On va jouer en prudent. En plus, le but est refusé. Ça aussi, c'est un bug qui m'énerve. Alors, RL. Bon, on va mettre RL. Hein, parce que là, de toute façon, quoique, il a combien? Non, tant pis. Fatigue-toi, c'est pas grave. Mais t'es bon, donc tu vas rester. Silva, Duranville, Esposito.
Je ne sais pas quoi faire. Oh, imbécile. Bon, je teste des trucs, hein. Comme dirait l'autre, advienne que pourra. Si on peut. Si on peut aller voler 3 points, moi ça me va. Ah ben non. On n'ira pas voler les 3 points. Ah, elle fait mal cette défaite, elle fait mal. Elle fait très très mal cette défaite. Mais on mérite pas de gagner, donc à un moment donné aussi. Elle fait très très mal. Ah, très très mal. On reste premier, c'est pas le problème. Mais deux. Voilà. Là, on va faire tourner parce qu'il y a le standard juste là, qui est troisième en plus. Oh là là. 3 à 4 semaines, sérieux, il y a un problème. Muria aussi, parce que sinon c'est pas marrant. Ah ouais, bah il va la prendre sa semaine, je te le dis. C'est mal foutu ça. Si je peux pas lui parler de sa. Je peux pas lui parler de sa carte rouge et je trouve ça bizarre. Bon, j'ai pu le faire en match, hein, mais. Bon. Ben, je pense que nous allons. Nous laisser là pour le moment. Calendrier. Donc nous avons bien fait Charleroi, Malines, Bruges. La prochaine fois, nous ferons Zul Standard et Eupen. Faut pas oublier qu'il y aura aussi la Coupe du Monde à un moment donné. On va avoir la Coupe de Belgique. Donc voilà, bah, nous nous laissons sur cette petite défaite qui fait un petit peu mal, je l'avoue, dans le... Voilà. Eh bah, ciao YouTube et à la prochaine fois. Ciao!